Charlène Cotte, 29 ans, est jugée cette semaine par la cour d'assises de Melun en Seine-et-Marne pour complicité de meurtre sur son fils de 3 ans, Bastien. Le 25 novembre 2011, son ex-compagnon, Christophe Champenois, qui comparaîtra pour meurtre, a mis Bastien dans la machine à laver, la faisant tourner durant une heure. Après 3 ans de détention, Charlène Cotte a été libérée. En attendant le procès, elle habite chez sa mère, Evelyne, à Meaux, avec l'un de ses frères et sa sœur Christelle, qui a accepté de nous répondre. Christelle, qu'est-ce que vous pensez de la relation de votre sœur ? Pour moi, elle était manipulée par lui. C'était un pantin, en fait. Elle disait ce que lui voulait qu'elle dise, elle faisait ce que lui voulait qu'elle fasse. Elle n'avait même plus sa façon à elle de penser, quoi, à penser comme lui, tout le temps. Vous l'avez vu le jour du drame ? Oui, je l'ai vu le jour du drame. Elle avait... Je crois qu'elle est abîmée à la lèvre. Et je lui ai demandé ce qui s'était passé. Elle m'a dit qu'elle s'était blessée avec une clé en faisant de la plomberie, je crois. Et je lui ai dit, ah bah ta clé, elle a 5 mains. Et bon, bah, elle a haussé des épaules, quoi. Comme si j'avais tout compris, mais bon. Elle ne voulait rien me dire. Quel sentiment vous avez aujourd'hui ? J'ai de la haine contre lui, je ne l'ai jamais, j'ai jamais aimé. Et, c'est pire en pire. Je comprends pas toujours l'attitude qu'a eu ma sœur. Moi, quitte à aller en prison, j'aurais été en prison pour quelque chose, mais j'aurais tout fait pour protéger mon enfant. Et voilà.